Voici une illustration du fonctionnement d'un extracteur à contre-courant. On va représenter son fonctionnement sur le diagramme triangulaire et voir le tracé que l'on va effectuer sur ce diagramme. Alors, on reprend toujours le même principe. Donc, on est sur un extracteur à contre-courant, mais on a conservé une solution qui titre à 20% en acide acétique avec un débit de 100 kHz, qu'on va extraire avec un solvant pur qui titre à 150 kHz. Alors, à la différence des cas précédents, donc sur l'extracteur simple et l'extracteur à courant croisé, ici, quand on est sur un extracteur à contre-courant, on doit se donner un objectif sur, par exemple, le raffinat. On peut aussi se donner un objectif sur l'extrait. Et donc là, on va se donner comme objectif que le titre dans le raffinat ne doit pas dépasser 5%. Donc, on vous demande de calculer les débits massiques donc de l'extrait et de raffinat, et puis de donner le titre de l'extrait. Alors, on reprend notre diagramme triangulaire avec sa courbe binodale et ses conodales. On va placer dessus le point qui correspond à la solution d'alimentation, toujours sur le côté du triangle. Le point qui correspond au solvant, toujours sur le sommet, puisque c'est du solvant pur. On rejoint ces deux points pour tracer la droite d'alimentation. Et on va placer sur cette droite d'alimentation le titre fictif en calculant x sigma, qui n'est autre, puisqu'on a affaire à un solvant pur, que xA LA sur LA plus VA. Donc si on fait le calcul, on trouve que ça fait un titre fictif de 8%. Et donc on va placer le sigma sur la droite d'alimentation pour un titre en soluté de 8%. Alors ensuite, on va positionner le point qui correspond à l'objectif que l'on s'est fixé. Donc ce point représente le raffinat, donc on va le placer sur la courbe binodale et on va le placer pour un titre de 5% puisque c'est l'objectif qu'on s'est fixé sur ce raffinat. Et ensuite, il va suffire de rejoindre donc, ce point qui correspond au raffinat, le point qui correspond au point fictif sigma et de prolonger cette droite jusqu'à la courbe binodale pour récupérer la valeur de Y1 ici, donc l'intersection entre la droite qui rejoint les deux sorties, donc qui passe par sigma, et la courbe binodale nous donne la valeur du titre Y1 qu'on va pouvoir lire, il est égal à 9,5% si on regarde précisément ce tracé. Alors, on pourrait se poser la question de ce qu'il adviendrait si on avait choisi comme objectif un Xn' à 10%, et non pas à 5% comme on s'est donné dans l'énoncé. Et donc dans ce cas-là, eh bien, c'est le même tracé, hein, le même point fictif, puisque l'alimentation n'a pas changé. Et on aurait un Y1' qui serait un peu plus faible. Donc vous voyez qu'il y a à peu près à 7,5% ici, si on se fixe un objectif sur le raffinat qui est à 10%. Alors revenons à notre énoncé d'exercice. On demandait aussi de calculer les débits donc d'extrait et de raffinat qui vont sortir de notre extracteur à contre-courant. Alors, on va écrire un bilan global donc sur cet extracteur à contre-courant. Donc, on a Ln plus V1 qui est égal à La plus VA. Donc, ici, bon, j'ai mis les sorties à gauche, ce qui n'est pas forcément l'habituel, mais enfin, ça revient au même. Hein. Donc, les deux sorties, le raffinat et l'extrait Ln et V1, et puis les deux alimentations, la solution et le solvant, La et VA. Et puis, on peut faire le bilan en soluté. Et donc, cette fois-ci, on va avoir un XALA plus 0, puisque il n'y a pas de soluté dans le solvant, égal à XNLN plus Y1V1. Donc, en fait, par substitution, par exemple, on va expliciter la valeur soit de LN, soit de V1, et on va le réinjecter à ce niveau-là. Donc, on va récupérer, par exemple, ici, l'expression de LN qui est XALA moins Y1LA plus VA sur XN moins Y1. Donc, si on fait le calcul, on va trouver que ça fait 83 kHz donc par rapport à notre débit de solution d'alimentation qui était à 100 kHz. Donc, on voit que le raffinat a un débit sensiblement plus faible que la solution d'alimentation. Et puis, ben, on en déduit V1, qui est le complémentaire par rapport à ce bilan-là, hein, pour récupérer la valeur de V1 qui est à 167 kHz.
Donc lui, évidemment, il a augmenté forcément, puisqu'on était à 150 kHz sur le solvant, et donc on passe à 167 au niveau de l'extrait. Alors on peut aussi calculer le rendement, donc à partir de ces valeurs. Donc le rendement qui est, donc, par exemple, XALA moins XNLN sur XALA, et donc on trouve un rendement qui est à 79% sur cet exemple. Donc voilà comment, à partir du tracé sur le diagramme triangulaire et puis de quelques calculs, on va pouvoir déterminer sur un extracteur à courant croisé, en s'étant donné un objectif sur le raffinat, déterminer le titre de l'extrait et les débits à la fois de l'extrait et du raffinat.